Parlons cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Quel film t'es allé voir pour nous cette semaine, Nico? Moi, cette semaine, j'ai été loué pour vous le film Pandorum. C'est un film de science-fiction. Et je sais pas si t'es comme moi, Guillaume, mais à chaque fois que je regarde un film destiné à un large public, je sais à peu près tout ce qui va arriver parce qu'on est bombardé par les bandes-annonces du film. Et la plupart du temps, les bandes-annonces en disent malheureusement trop. Dans le cas de Pandorum, c'est un film destiné à un vaste public qui a passé absolument inaperçu. Ça a malheureusement été un petit flop au box-office. C'était censé devenir une trilogie. Il n'y en aura malheureusement pas, je pense. Alors, pour ne pas vendre de punch, ce que je peux dire, dans le fond, sur l'histoire du film, c'est que ça se passe dans le futur. C'est deux membres d'un équipage d'un vaisseau spatial qui se réveillent d'un hyper-sommeil. Et on précise dans le film qu'à cause de l'hyper-sommeil, on peut perdre la mémoire durant une période de 24 heures après avoir sorti de l'hyper-sommeil. Et ils se demandent, bon, qu'est-ce qu'ils font sur le vaisseau? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi leur mission? Et en même temps, le titre Pandorum fait référence à un état psychologique qu'on aurait dans l'espace, une forme de schizophrénie. Quand on est éloigné du système solaire, on se met à s'imaginer toutes sortes de choses, on vire un peu paranoïaque et on n'est pas capable de distinguer la réalité de nos peurs, dans le fond. Et moi, j'ai trouvé que c'est un film absolument excellent. C'est un mix de science-fiction, évidemment. Il y a aussi de l'horreur, de l'action, mais ça ressemble un peu aussi à un gros drame psychologique, vu qu'on ne sait jamais si qu'est-ce qu'on voit là, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. Donc, je donne à ce film-là une note de 4 sur 5. C'est vraiment excellent, ce film-là, dans son genre. Ce qui est spécial de ce film-là aussi, c'est qu'à la base, le film était censé avoir un budget de 200 000 $ et être tourné dans une vieille entrepôt désaffectée. Et quand les studios ont lu ce scénario-là, au lieu de donner 200 000, ils ont donné 40 millions. Wow, une belle chance! C'est ça. Alors, les deux acteurs principaux du film sont Dennis Quaid, que à peu près tout le monde connaît, et il y a aussi Ben Foster. Le nom ne dit pas grand-chose, mais on va reconnaître sa face. Il a joué dans plusieurs films à succès, comme 30 Days of Night, X-Men 3, celui qui faisait le X-Men avec les ailes, c'est ça. Et il a aussi joué dans le film Alpha Dog. Alors, pour tous ceux à la maison qui ont peut-être vu Pandorum, d'autres films dans le même genre, il y aurait Event Horizon qui a été fait en 1997, qui est un film de Paul Anderson. Et Paul Anderson est justement un des producteurs du film Pandorum. Et plusieurs de mes amis ont fait une bonne comparaison avec Pandorum et The Abyss, le film de James Cameron qui a été fait en 1989. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta chronique. À la semaine prochaine.